Bonsoir à tout le monde. C'est encore moi. J'avais fait une vidéo dans la journée et dans cette vidéo, faut dire que j'étais beaucoup dans l'émotion. J'ai beaucoup pleuré. Je pleurais pas parce que me menaçait, non. Parce que ça me faisait mal. Abandonner tout ce que j'avais bâti depuis combien d'années. Par la suite, la vidéo a été supprimé parce que j'avais tenu des propos un peu vulgaires. Le son aussi, en raison de droit d'auteur, le son a été supprimé. Du coup, j'étais obligé de supprimer la vidéo pour refaire une autre. Ce que j'aimerais demander aux gens, pourquoi, quand on doit faire la musique, surtout en Côte d'Ivoire, on est obligé d'être dans le réseau Kiki? La question reste posée. Forcément, on doit rentrer dans un réseau Kikiki. C'est que moi, vous n'allez jamais m'avoir. Voilà. Très clair. Vous n'allez jamais m'avoir. Vieux, tu m'as menacé et tu m'as dit, je vais savoir qui tu es dans ce pays. Je sais ce que ça signifie. Je ne vais pas faire bras de fer avec toi, vieux. Je n'ai pas bras longs, comme on le dit. Je n'ai personne derrière moi. La seule personne qui est derrière moi, c'est Dieu. Du coup, je préfère tout arrêter. J'ai une famille. Je me bats pour ma famille, pour nourrir ma famille, pour mettre ma famille à l'aise comme toute autre personne. Je ne vais pas faire bras de fer avec quelqu'un. Et puis ça va devenir autre chose. Il y a beaucoup d'artistes qui ont essayé de faire ça. On sait où ils sont aujourd'hui. Ils sont en bas de la terre. Et moi, je ne veux pas mourir à cause de la musique. À partir d'aujourd'hui, je décide de tout arrêter. Quand tu parles la vérité, les gens pensent que c'est l'amusement parce qu'ils sont immatures. Ils prennent tout pour rigoler, tout. On dit non, que je veux montrer lèvres roses, que j'ai mis rouge à lèvres. Comme vous voyez ça là, c'est j'ai mis rouge à lèvres. Les vrais savent, ceux qui ont grandi avec moi au quartier d'Ivo, Kumasi. Ils savent que mes lèvres ont toujours été comme ça. Donc, c'est pas de ma faute si vous êtes vilain. Si vos lèvres sont noires, vous êtes sale, vilain, c'est pas de ma faute. Je vais tout arrêter, c'est pas grave. Vous dites que je vaux rien, je suis pas fort. Je sais ce que je vaux. C'est parce que j'ai pas de producteur, comme certains artistes. Si j'avais un producteur, il n'y a pas parlé d'un producteur qui mougou cuit. Pas parler de ça. S'il y avait un bon producteur, un bon label, un bon major, j'ai une bonne plume, j'ai écrit des textes, j'allais faire des albums. Des albums même où il n'y a pas feat dedans, moi je peux faire 20 titres. Mais bon, vous me méprisez, c'est pas grave. Seigneur, je ne sais pas ce que tu me réserves devant, mais ce que tu as prévu là, faut me voyez. Okay. Moi j'adore la femme. Ouais, j'aime faire l'amour à la femme. Donc, même si vous me proposez 100 milliards, vieux, il n'y a jamais un jour dans ça. Moi, il n'y a pas un jour dans ça. C'est pas dans la musique seulement réussi. Et si vous pensez que je suis en train de rigoler, regardez les jours qui vont suivre. Je vais supprimer ce compte TikTok. Je vais supprimer ma page certifiée sur Facebook. Comme ça, vous saurez que c'est la vérité. Je vais supprimer mon Instagram. Le monde du showbiz est trop pourri. Dans la vidéo précédente, j'ai beaucoup pleuré parce que ça me faisait mal. Je vais abandonner la musique. Ça me fait mal. Mais ici, là, il n'y a pas pleuré. La vie continue, c'est rien. C'est pas dans la musique seulement qu'on réussit. C'est-à-dire, si moi-même, il n'avait pas fait mes business un peu, il était devenu fou. Imaginez-vous les sons que je chante depuis que je suis petit. Je n'ai jamais touché les royalties. La seule fois où j'ai touché l'argent, on va dire, c'est quand le Burida m'a appelé pour les répartitions. C'était 500 000 seulement. Quand j'ai pris ça, j'ai investi. C'est ce qui fait que je m'en sors actuellement. Je suis pas bête. Je peux bien dire le nom des personnes qui sont venues me faire des propositions. Et moi, je veux avoir longue vie. Je ne veux pas mourir.
cause de la musique. Déjà, quand l'arrangeur Momo Wang a pris mes 2 millions et n'a pas fait mon album, et parler ici, qui a fait quoi? Je suis allé porter plainte, c'est pas aller quelque part, c'est pas ça là qui va aller quelque part. Je vais tout arrêter. C'est pas parce que aussi dans la musique, ça va pas qu'il est parti chanter pour Dieu, prendre le nom de Dieu pour chercher l'argent. Non, moi c'est un guerrier. Merci. C'était bon. Je vous dis merci. Tout quand j'ai passé de bons moments dans la musique. Mais j'en ai marre. Je ne veux pas rentrer dans ça. Je ne veux pas faire des dingueries pour la musique. Non. Je suis désolé.